Bonjour, bonsoir, selon ta localité. Je suis Prosper Diosso, l'Africain qui vit en Afrique du Sud, au Cap-Vert, à Madagascar, en Algérie, au Lesotho, au Nigeria. Je suis africain. Sur cette chaîne, je vais te partager mon vécu en tant qu'entrepreneur, mais aussi mon expérience acquise, car je crois sincèrement que le partage d'expérience et donc de connaissances est multiplicateur de richesses. Alors, cette richesse acquise va nous permettre, nous Africains, de pouvoir également dire que nous allons faire partie des nations qui prospèrent. Exploser tes ventes en 2022. J'ai une méthode, je l'ai appliquée, ça m'a réussi pas mal, et je le partage aujourd'hui avec toi. Alors, il est clair que de plus en plus, la vente occupe, en tout cas, un secteur où est une condition sine qua non dans la réussite d'un entrepreneur. Et même des grandes structures, des grandes entreprises. Car sans vente, effectivement, on peut tout simplement fermer la porte. Alors, il y a 3 jours, justement, je réfléchissais à quelque chose, je réfléchissais à des propos qui ont été tenus par, alors, un des meilleurs sur cette terre. C'est pas Elon Musk, il fait partie des meilleurs, mais justement, c'est Jeff Bezos. Alors, toujours lui. Vous conviendrez avec moi que, justement, dans le cadre des activités ou bien dans le cadre d'une entreprise, quel qu'il soit, justement, que vous soyez sportif, athlète, ou bien que vous soyez dans le monde de l'entertainment, vous êtes chanteur, ou bien en tout cas, vous êtes artiste, alors à chaque fois, vous vous référez aux personnes les plus douées, en tout cas, ceux qui ont d'excellents résultats, que tout le monde atteste qu'ils sont bons. L'athlétisme, par exemple, tout le monde parle de Usain Bolt. Alors, basketball, Michael Jordan, le foot, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Donc, dans l'entrepreneuriat, forcément, beaucoup parlent d'Elon Musk et aussi de Jeff Bezos. Alors, il y a 3 jours, Jeff Bezos disait clairement, alors, ce que nous gagnons, on le redonne aux clients. Ce que nous gagnons, on redonne tout aux clients. Je n'avais pas compris. Je ne comprenais pas. En fait, quand vous vous remettez dans le contexte, nous sommes dans les années 90-2000. Alors, dans les années 90-2000, il y a la bulle spéculative d'Internet. Effectivement, toutes les grandes compagnies ne gagnaient pas d'argent, ou en tout cas subissaient des pertes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en bourse? Les entreprises tech de l'époque d'Internet étaient surcotées. Ils étaient surévalués en termes de bénéfices, en termes de chiffre d'affaires, tout ce que vous voulez. Alors, la bulle, dont elle a gonflé, gonflé, beaucoup croyaient que ces entreprises-là avaient toutes ces sources de revenus ou bien avaient tous ces bénéfices, alors que tel n'était pas le cas. En gros, c'était ça la problématique. Alors, j'étais dans ce contexte pour pouvoir comprendre les dires de Jeff Bezos. Je me trompais. Parce que justement, un peu comme Spotify, même si l'entreprise continuait à perdre de l'argent, quand même les clients venaient en masse fréquenter son site et acheter des produits. D'accord? Alors, dans le cycle de vie d'une entreprise, il y a des périodes où, effectivement, tu peux ne pas gagner de l'argent ou bien, en tout cas, perdre. Alors, quand il disait justement que donc redonnait tout ce qu'il gagnait donc au client, je me disais effectivement que je savais, je sentais que c'était pas de l'argent, mais je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Alors, tenez-vous bien, juste hier, j'ai eu de la lumière. En tout cas, ça a été très, très jucif. Je ne sais pas si ça t'arrive assez souvent, mais moi, ça m'arrive souvent que, justement, que je puisse trouver une solution partant de l'obscurité. D'accord? C'est un peu comme le Eureka d'Archimède. D'accord? C'est extrêmement jucif. Tu as un point d'interrogation. Tu cherches, tu ne trouves pas les informations, tu cherches, tu cherches, tu cherches. C'est comme si un beau matin, Almighty God, il vient et te dit, tiens, prospère. Voilà la solution. Alors voilà ce que tu cherchais. Alors ce que j'ai compris, c'était la chose suivante. Justement, qu'ils gagnaient, en tout cas qu'ils aient une activité positive, c'est-à-dire qu'ils avaient gagné de l'argent ou bien qu'ils perdaient, ils remettaient tout dans le cadre de l'entreprise. Ils remettaient tout, ils réinvestissaient tout ce qu'ils gagnaient dans le cadre de l'entreprise. D'accord? Ça veut dire quoi? Clairement, ils continuaient à investir pour que les clients, en définitive, puissent avoir le meilleur service de qualité. D'accord? C'est-à-dire, au lieu uniquement de partager les bénéfices avec son client, ils redonnaient tout au client.
Alors, le mec, tenez-vous bien, à l'époque, il n'achetait pas de bureau. Ils n'avaient pas acheté de bureau. Ils prenaient des portes et ils s'en servaient comme bureau. D'accord? Pendant plus de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans. Alors, des ventes et redistribution de tout ce que tu gagnes pour ton client. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, conséquemment, nous avons la possibilité également, nous aussi à notre échelle, de pouvoir produire un service de qualité et redistribuer avec nos clients. Alors, dans le contexte africain, justement, on a tendance à comprendre, et c'est là, c'est une des réalités, très souvent dans le milieu des télécoms, quand on dit partage des bénéfices, c'est quand justement, après un exercice performant, la structure, la boîte a pu dégager des bénéfices et dans le cadre des promotions, des jeux concours, tout ce que vous voulez, client mystère ou tout ce que vous voulez, on repartage donc les bénéfices. C'est le contexte africain, si vous avez compris, mais le contexte américain m'échappait. Alors, tout ça pour comprendre que on aura besoin de booster également nos ventes pour avoir une place donc sur le marché, pour avoir une place de choix sur le marché, compte tenu du client. Et pour ce faire, justement, avoir conséquemment des ventes, même en période de crise, et continuer à partager donc ces ventes avec les clients, j'ai quatre points à te partager, quatre points selon lesquels je pense que tu ne peux pas ne pas faire mouche, c'est-à-dire être parmi ceux qui comptent sur ta place de marché, sur en tout cas ton pays. Alors, le premier à mon sens, c'est tout simplement le lead building ou lead generation. Alors, de plus en plus, Internet va te permettre, pour des tâches rébarbatives, en tout cas des tâches répétitives, de pouvoir les automatiser. Clairement, c'est le marketing automation ou bien l'email automation. Alors, l'email automation, comme tu l'as compris, c'est une automatisation de plusieurs tâches. Alors, ces tâches-là vont pouvoir te permettre de poser des questions aux clients, de savoir à peu près qui ils sont, de pouvoir les sonder, mais aussi de créer une base de données conséquente qui va justement te permettre de pouvoir cibler ta stratégie marketing. Ça veut dire, dans le cadre de ta stratégie, tu auras besoin d'avoir des leads, des prospects. Et des études ont prouvé que 96 à 98% des clients qui vont venir sur ton site ne vont pas forcément acheter. D'accord? Donc, tu auras une période de ce qu'on appelle nurturing. Bon, passez-moi l'anglicisme, on n'a pas le choix. Nurturing, c'est la période où tu éduques. D'accord? Où tu éduques. Donc, tes prospects, tes consommateurs par rapport à tes services, ils peuvent ne pas comprendre. Et justement, aujourd'hui, le client que nous avons aujourd'hui, c'est un client qui va chercher, qui a la culture donc d'aller chercher, qui a la culture d'Internet et il va essayer de trouver par d'abord lui-même, ce client, les informations avant de demander, en tout cas, le collègue, le voisin, la famille, mais aussi aller lire les comments sur ton site, sur ton réseau, ainsi de suite. Alors, ce que disent les autres sur ta marque, ce que disent les autres sur ton entreprise. Alors, donc, le lead generation est, pour moi, le socle de l'activité marketing. Il te faut une base client, il te faut des leads, il faut donc des clients qui vont sûrement sur Internet fréquenter ton site, venir donc essayer de prendre des informations. Et il y a un ensemble de processus, il y a un ensemble d'outils qui sont aujourd'hui disponibles sur Internet. Je vais t'en citer au moins trois. Donc, il y a System.io qui peut te permettre justement de créer des leads et un tunnel de vente. Il y a les donc MailChimp, effectivement, qui aussi est un outil. Il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants. MailChimp, System.io est payant. MailChimp, je pense également, je ne suis pas sûr, je pourrais vérifier. Il y a également WebGM. WebGM également est une plateforme qui va te permettre justement de créer des web conférences, mais aussi de pouvoir communiquer avec tes clients, tes prospects. Donc, le premier élément, c'est ton lead building qui est, à mon sens, très, très important. Alors, dans ce système, nous voyons que nous avons des email automation, comme j'ai dit. Alors, ce qui me froisse un peu, bon, ça, de toute façon, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas le choix. C'est-à-dire,
partant des SMS sur le mobile, sur le numéro de téléphone de ton client, tu peux lui envoyer des informations, tu peux vouloir avoir des rendez-vous avec lui. Alors, aujourd'hui, cela s'avère inefficace parce qu'un SMS, il est assez court, tu ne peux pas tout expliquer. C'est pour cela, non seulement les emails automation sont beaucoup moins chers, mais c'est la condition aujourd'hui que nous avons. D'accord? Ben, les données vont changer, à mon sens. On s'arrête un peu. Alors, on va faire de la fiction comme tout le monde. D'accord? C'est la génération de la fiction, nous aussi. Très cher, on va s'autoriser de la fiction. Neil Stephenson, depuis 1992, donc c'est autorisé à faire de la fiction avec donc le samouraï virtuel. Aujourd'hui, on va dire que on est dans le metaverse. Alors, on est dans le metaverse et nécessairement toujours dans la fiction. Tu pourras aller au-delà de l'email automation. On est en fiction, hein? C'est ma fiction à moi. Je pense. Alors, tu es Jacob, tu as un avatar et tu es sur le metaverse. Donc, tu vends des produits. Toujours dans la fiction, il serait très très possible que tu puisses être soit en un temps record, tu puisses être en Chine, aux États-Unis, en France, en Afrique du Sud et simultanément parler à des centaines et des centaines de milliers de clients avec ton metaverse. D'accord? Il faut comprendre que du point de vue contrôle, il est clair qu'aujourd'hui, Facebook, c'est que, bon voilà, le compte Facebook là, c'est pour Prosper, c'est son ID. Alors, ce compte Facebook là, c'est pour Moussa, c'est son ID. Cet autre compte Facebook, c'est pour Pate ou Daouda ou François, c'est son ID. Alors, par rapport à ce ID, même si tu changeais de personnalité, que tu deviennes, je ne sais pas, un monstre ou bien une fille ou bien un homme, on sera toujours dans le cadre du contrôle que c'est telle ou telle ou telle personne. Et donc, pour moi, pour aller au-delà de l'outil automation, c'est l'une des meilleures façons justement de pouvoir, alors donc, présenter ce produit. Alors, en un, le lead building. En deux, ben, les quiz. Les quiz vont te permettre de savoir à qui tu dois vendre, qui il est, comment il parle, c'est quoi ses moyens de communication, où est-ce qu'il habite. Il est en banlieue UP ou bien en banlieue moyenne, quelles sont ses fréquentations. Il est clair que tu vas créer ce qu'on appelle, comme on a dit tantôt, un persona marketing qui sera tes types de clients cibles. Donc, les quiz. En deux. En trois, je pense, en trois, tu pourras, donc, selon moi, avoir donc, la possibilité de faire des sondages. Alors, justement, le sondage, on ne va pas aller loin. Sur la barre de description, je t'ai laissé un sondage. S'il te plaît, ça ne te prend que 2 secondes. Le sondage va servir à justement comprendre quels sont les besoins de tes clients, quels sont les besoins des personnes qui te suivent ou bien qui te regardent, qu'est-ce qui va te permettre, toi, d'offrir un meilleur service. C'est juste le but des sondages, c'est juste pour comprendre, alors, quelle est la stratégie qu'il va falloir adopter. En quatre, donc, tu pourras justement proposer, donc, une méthode de vente. Dans l'une de mes vidéos, justement, j'avais proposé des techniques de vente, je vais la mettre là. C'est la méthode CAPTER. C-A-P-T-E-R. CAPTER. On sait, on a le cherché. Justement, le marketing aura cherché ses produits dans le cadre du lead building, dans le cadre des quiz, dans le cadre des sondages, pour te servir un œuf sur le plat, ton client. Alors, ton client, justement, tu vas devoir donc l'accueillir, donc dans le cas justement avec la méthode CAPTER, l'accueillir, comprendre ce qu'il veut, ouvrir et élargir. Je t'invite à aller voir cette vidéo pour ne pas donc allonger la durée de la vidéo. Donc je t'invite justement à aller voir donc vidéo là quelque part. Alors chers amis, chers frères, chers sœurs, chers citoyens du monde, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Donc accroître ses ventes et partager justement le fruit de la vente avec tes clients. C'est possible et ces 4 éléments-là vont sincèrement te permettre en 2022 d'exploser tes ventes. Peace out.